Quelqu'un qui, on a dit qu'il supporte mal le vin, il a le droit de faire avec du jus de raisin, hein, des herbes à cochotte, ou alors ce qu'on appelait la dernière fois Yain Tsimoukim, donc le vin qu'on fait à base de raisin sec. Alors la Lacha dit que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il doit mendier s'il faut pour pouvoir se faire se payer le vin des herbes à cochotte, et il doit vendre tout ce qu'il peut vendre pour gagner l'argent pour faire cette mitzvah là. Bon, après il y a la route normale du kos, qu'il faut qu'il soit propre, etc., etc. Tout ça, je pense que tout le monde connaît. On a dit donc le Revit, c'est 86 millilitres, donc 86 grammes, ça revient à peu près à la même chose. Ok, alors on doit boire le Revit d'un seul coup, d'accord. Le Revit, il faut pas normalement s'arrêter. Sauf si quelqu'un il va s'étouffer, Chas Shalom, alors à ce moment-là, il peut s'arrêter. Mais a priori, sinon, on ne doit pas s'interrompre du début du moment où on commence à boire le Revit jusqu'à la fin du Revit. Alors, maintenant, la question, c'est à quelqu'un qui a un verre qui contient pile un Revit, il boit son Revit. Quelqu'un qui a un verre qui contient plus qu'un Revit, d'accord, normalement, il doit boire Rov à Kos à condition que ce soit Revit. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un il a un kos qui fait 8 révit. Alors, quand il a bu un révit, il est yotzé. D'accord. Avec quelqu'un qui a un verre qui fait. Mais qui sont dans tous les cas, il faut qu'il boive un révit, quoi. Ok. Non, mais il y a un lien de Rov Kos, même. Alors, comme il y a aussi un lien de Rov Kos, le mieux c'est de prendre un verre dans lequel le Rov Kos c'est révit. Il y a des verres vendus comme ça, à cet effet. Moi, j'ai chez moi des verres qui font Revit, pile. Alors, pile. D'accord. Tout bois. Hein, là, tu bois tout. Au moins, tu sais ce que tu as vu. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui a un verre, imagine une famille, ils ont un seul verre. Et le verre, il fait 8 Revit. Et ils sont 8. Alors, ça, c'est bien. Si chacun, ils boit un Revit dans le verre, ça suffit. Comment tu sais? Ah, c'est un problème, comment tu sais? D'accord, mais c'est-à-dire que c'est. Personne soit courant. Du moment que chacun a vu un révit, on va dire quelqu'un vert. Donc chacun a vu son révit, c'est bon. Ah, normalement, quand quelqu'un il a déjà vu dans un kos, le kos il n'est pas goum. Mais comme c'est bichat à bracha, alors ça ne pose pas de problème. D'accord. En tout cas, de cet alakha, on voit que quelqu'un qui a même un énorme verre, il boit un révit, il est yotzi. Enfin, dès qu'il y a un lien de bord kos révit, donc celui qui peut s'arranger, il essaie de s'arranger pour faire les deux d'un seul coup. Ok. Alors le premier kos, c'est le kiddush, donc on fait comme tous les kiddushim normaux, le balabayit fait la bracha, tout le monde répond amen, et on est tous yotzé de cette bracha là, même si on n'a pas fait chacun sa propre bracha. Bon, après il n'y a que des cas, mais bon, au Rachem qui ne nous concerne pas tellement. Alors voilà, là où il peut y avoir un problème, c'est si vous êtes invité chez quelqu'un. Et ce quelqu'un, hein, il ne sait pas très bien faire la bracha. D'accord. Im en amekadesh, entre parenthèses, dit balabait, baki balacha, veno de alechaven outi, chova, le outi de chova, birkot, birkot akidou, j'ai mené abait. Vous avez compris la question? Je suis invité chez quelqu'un, hein, j'ai une personne qui est mechoubad, d'accord, il lui fait kidouche, mais je sais qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Comment je fais? D'accord. Alors, Yesh Nog Kaniska Bessif Akodem. Donc, vous voyez dans le chiffre d'avant. Ok. J'ai collé un des Khamim de Abayit. Il te pose à cause Biado, Vévaer, Belachash, Mila, Bimila, Imamekadesh. Si je sais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, ok, pour être sûr d'être aussi, alors vaut mieux que je l'accompagne et que je fasse avec lui. Mais c'est sûr que si je fais ma propre bracha, c'est un problème. Ça peut être un rachinatikra, ça peut être une pierre dans ton kavod. Que je peux le vexer, etc. Donc le mieux, c'est de faire la voix basse avec lui, en ayant la kavana, que moi, je m'acquitte moi-même tout seul. D'accord. C'est moins le problème, le soir du cinéma, parce qu'on a chacun son cos. Elle a rien à mettre. Un guidouche normal, j'avais des pires. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, dernière halakha pour ce matin, quand on fait la bracha de Shehriyanu, au moment du kidouche, d'accord, on doit avoir la kavana de toutes les mitzvot qu'on va faire, pour lesquelles on devrait faire Shehriyanu.
plantas. Si on regarde Matsot au Maroc, on dit qu'il y a un amour de la sorte de Chirken au pied. C'est un yom sur la mitzvah. C'est un yom. Si on s'y met au Bakidouch, on est Chavel, 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 אפי קומא, בקיצור, כל המצוות, כל המצוות. אוקיי? די להיום מנחה ב... 55 לשבע. מנחה 7h, 6h55, יש לנו גרנד סופריז שאני אקרא מנחה, ואני אראה את זה עוד יותר.